Bonjour tout le monde! Bonjour. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui jeudi. Je vous fais cette vidéo, le facteur vient de passer et j'étais impatiente de le recevoir pour pouvoir vous le présenter. J'ai trouvé une boutique qui n'est pas excessive et franchement qui a des produits, mais alors magnifiques. C'est des choses que je n'ai jamais essayées et dont je voulais essayer, mais je trouvais que les prix étaient vraiment trop chers, honnêtement. Surtout dans une des catégories, mais vous allez voir, je vous en dirai plus au fur et à mesure. Donc la boutique s'appelle New Craft Day. Je vous le mettrai en barre d'infos, hein, comme d'habitude. Donc j'ai tout reçu dans un grand sac comme ceci. Je l'ai ouvert et ça se présente comme ça. Donc on va y aller progressivement. Là, j'ai toute une pochette. Donc je vais l'ouvrir. J'ai rien déballé, j'ai attendu d'être avec vous pour pouvoir déballer le tout. Alors, dans la pochette, on a déjà un des motifs. Je suis sûre que vous n'êtes pas surpris. Ah, je suis trop contente. Donc, on a le diagramme. Là, c'est du point de croix. Le point de croix, ça fait des années que je rêve d'essayer. Et en fait, quand on voit le prix du matériel, ça coûte horriblement cher. Donc ça se présente. Là, on a une petite notice. Bon, elle est en anglais, mais c'est pas dur de comprendre, hein. Voilà. Et là, oh, il est juste sublime. Alors, ils fournissent même les aiguilles. Oh, c'est génial, hein. Ça, on va regarder après. Regardez. Il est magnifique. Donc, il mesure combien? Est-ce que c'est marqué quelque part? Je vais le mesurer, hein. Non, bah regardez, 10. Non, je sais pas à quoi ça correspond. Alors, 30, ça doit être 45. 40, 41 sur 30. 41 cm sur 30, honnêtement, c'est déjà top. Il est magnifique. Il y a les numéros pour les fils. Voyez. Je vous le montre de plus près. Il y a des numéros d'inscrits par endroit. Voilà. Il est, mais alors, sensationnel. Donc, sur le site, on y trouve donc du point de croix. Regardez, les fils sont d'une belle qualité, hein. Je regarde, mais ouais. Ils sont doux, ils sont top. Wow. Et donc, hop, j'aurai besoin de tous ces fils pour réaliser ce point de croix. Vous voyez, il rajoute même, quand il va en manquer deux, il les rajoute même. Un de chaque couleur. Donc un vert clair et un blanc. Ah, mais c'est génial. Donc là, j'ai tous mes fils. Yep. Là, j'ai deux aiguilles. Alors pourquoi deux? C'est peut-être pour si j'en perds une, je suppose. Mais c'est au top. Franchement, je suis trop, trop contente. Et la qualité du canevas, elle est pareille. La toile, elle est tissée. Elle est. C'est pas un truc tout fin comme j'ai pu déjà trouver une fois dans une farfouille en déstockage. C'est des quatre petits cadres. Mais les trous du quadrillage étaient tellement gros qu'on avait beau passer le fil, ça faisait pas beau. Là, regardez, il est tissé, serré, ce qui fait que dès qu'on va passer le fil, ça va être magnifique. Oh, je suis trop contente. Franchement, pour le prix, ouais, tout compris, c'est vraiment pas cher du tout. Si vous aimez ça ou si vous rêvez d'essayer, mais que les prix vous font peur, là, allez-y franchement. Donc ça, c'est ça. J'ai plus les prix en tête, hein. Honnêtement, j'ai plus les prix en tête. Mais allez voir sur le site, franchement, c'est pas cher du tout et c'est vraiment de la bonne qualité. Ça, j'ai été surprise et là, c'est autocollant celui-là. Donc, je peux même m'en servir en scrap. Oh, c'est génial. Donc là, ça, on a vu le point de croix. Et j'ai encore trois pochettes.
Alors, on va découvrir ensemble. Est-ce qu'elle se décolle facilement ou pas? Ouais, faut tirer dessus, mais ça va. Alors. Regardez-moi ça. Je suis sûre que vous n'êtes pas surprise non plus, là. Là, c'est un diamond painting. Alors, il a une particularité, c'est que toute la surface n'est pas à coller. Il n'y a vraiment que la trappe rêve. C'est ça que j'aime. L'avantage, c'est que pour quelqu'un qui débute, il n'y en a pas 150 000, on va dire. Hein, j'exagère, mais voilà. Il n'y en a pas une quantité industrielle à coller dessus. Donc, comme je n'en ai jamais fait encore, j'en voulais des très jolis, pas tout petits, et qu'il n'y en ait pas trop à coller non plus pour faire un essai. Ben là, je suis ravie. Vous voyez, j'aurais juste à coller là où il y a les plumes. Et la trappe rêve en lui-même. Donc, j'ai le kit. Voilà. Et là, j'ai les strass. Alors. Ils sont super jolis en plus. Regardez. Il y a des petites gouttes d'eau là, sous mon doigt. Ils sont vraiment jolis. Ah ouais, top. Ah, les petites gouttes d'eau, ça vient là, ici. C'est trop beau. Ah, ils sont jolis, hein. Et ça change de ce qu'on trouve chez Action. Pas chez Action. Oui, chez Action, chez Nose. Ça change de tout ça. Donc, j'ai pris celui-là. Celui-là, on l'a vu, il est vide. Et je vous dis, les prix, franchement, ils sont vraiment attractifs. Et c'est livré quand même très rapidement. On a un suivi de colis. Alors, je vous avouerai que j'ai pas fait le suivi de colis, hein. Mais en moins de 15 jours, ouais, les 15 jours maximum, c'est chez vous. Oh là là, celui-là, il est encore plus beau. Le premier, c'est Lola qui l'a choisi. Celui-là, c'est moi. Il est splendide. Donc là, pareil, tout là où c'est noir, j'ai rien à coller. Ça reste comme ça. Ça fait un effet 3D comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont superbes. Là, j'ai tous les petits traces. Désolée pour le bruit des sachets. Regardez. Voyez. J'aurais tout ça quand même à coller. Hein. On dirait pas comme ça. Hein. Il y a même des petites étoiles. Oh, elles sont super jolies. Regardez. La couleur change en fonction de la lumière. Là, j'ai des étoiles. Non, c'est... franchement, ils sont chouettes. Ils sortent de l'ordinaire. Ils sortent de ceux qu'on voit partout, qui ne sont pas forcément... Bon, ils ne sont pas trop chers chez Action, hein, et chez Nose, il faut l'avouer. Mais les modèles, on n'a pas le choix. Là, vous avez une multitude de choix. Il y a même pour Noël, il y a pour Halloween. Il y a vraiment tous les thèmes. Et donc, le dernier que j'ai choisi... Il me semble que c'est moi ou c'est toi, je ne sais plus. Il me semble que c'est moi. Oui, oui, c'est moi, ça. Ça, c'est moi, hein. Il n'y a pas de doute. Allez. Même en diamond painting, j'ai trouvé la tour Eiffel. Oh, mais ils en ont, mais alors, des magnifiques. Là, j'ai déjà refait une commande. Je vous en parlerai plus tard. Parce que je l'ai faite. Je l'ai mise dans mon panier, mais je ne l'ai pas encore validée. Mais c'est magnifique. Oh là là, ces couleurs, on a l'impression d'un tableau. C'est aquarellé, là, avec les plis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est magnifique. Et là, oh là là, oh, qu'ils sont beaux. Oh, je vais les déballer pareil, que vous puissiez voir. Donc là, j'ai des petites fleurs. Alors, il y en a des violets, des rouges, des palmes, des verts plus clairs, des blancs. Il y a le même système en goutte d'eau, mais qui change de couleur avec la lumière. Des fleurs comme ça et des petites gouttes d'eau. Oh, oh là là, ah bah, je vais m'éclater, moi. Bon, alors, je ne ferai pas ça tout de suite pour la simple et bonne raison. C'est que là, je suis en plein dans les calendriers de l'Avent, les créas de Noël et tout ça. Mais dès que j'aurai 5 minutes, eh ben, je m'y mettrai parce que franchement, je suis trop contente.
Ouais, c'est les mêmes fleurs. Donc, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y en avait pas assez et qu'ils ont rajouté un sachet. Mais c'est génial. Oh. Ah, ils sont, mais alors, vraiment magnifiques. Oui, de toute façon, niveau prix, c'est pas dur. Je sais pour combien j'en ai eu. Donc, je vais pouvoir vous dire le prix total des 4 articles. J'en ai eu pour à peu près 20 euros. Pas plus. C'est ça, hein? Je sais plus. De mémoire, ouais, ça doit être ça. Franchement, waouh, quoi. Moi, je suis jalouse. Bah, t'en as un à toi, déjà. Ah, mais c'est pas. Bah oui, celui-là. C'est celui-là, toi. C'est beau. Non, t'as pas été jalouse, je t'en ai pris un. Rappelle plus que tu l'avais choisi. Si, si, mais elle avait oublié. Tiens, bah, je te le donnerai après. Mais franchement, je suis trop contente. Une qualité. Là, c'est pareil, c'est vachement épais. Je vois, Lola, j'en ai déjà acheté. Hein. Ils sont pas aussi épais au toucher. Donc là, une fois fait, on le met dans un cadre. Franchement, il se tient tout seul. Il est vraiment top. Oh. Alors, un petit conseil, si vous aimez ça, allez sur la boutique. Je vous mets le lien de la boutique juste en dessous. De façon à aller vous faire plaisir. Honnêtement, je vous le répète, les prix ne sont vraiment pas chers. La seule chose que moi, sur le coup, j'ai eu peur, c'est que soit ça met le bon prix, c'est-à-dire c'est moins de 10 euros là. Hein. Ça, c'est largement sûr. Il y en a à 5, il y en a à 4. Il y a tout un tas de formes aussi. Et des fois, on ne sait pas pourquoi, quand on change de page ou au bout d'un certain temps, ça met, par exemple, s'il y a un article à 6,50 €, ça va le mettre à 650 et quelques petites bananes. Bon, alors, je me suis rendu compte que non, c'est une erreur. Je pense que c'est dans les conversions qu'il y a eu un souci. Mais quand on arrive au panier, c'est bien le prix qu'on doit payer. Hein. Vous inquiétez pas, il n'y a pas des zéros de rajouter au niveau du paiement. Et quand on voit la qualité qu'ils ont, franchement, waouh quoi. Un produit de cette qualité, même chez nous, on ne le paiera pas le prix que je l'ai payé là. Hein. Franchement. Et le point de croix pour celles qui connaissent. Rien que les fils, ça ne vaut pas ce prix-là. Donc, je voulais déjà voir la qualité de leurs produits avant de refaire une commande. Car ils font quelque chose que j'avais entendu parler, mais que je me disais, ouais, bah, c'est bien si quand on envoie une photo, parce qu'ils personnalisent les points de croix ou les diamants de painting, ils font même de la peinture par numéro. Je me suis dit, bah, c'est bien si on envoie une jolie photo et que ça ressort pas génial. Voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire. Mais quand je vois la qualité du produit, la prochaine fois, c'est sûr, je leur mets une photo de façon à obtenir le rendu après au point de croix ou en diamant de painting. Peinture par numéro, Lola n'a pas encore eu le temps d'essayer celui que je lui ai acheté à Action l'autre jour. Mais franchement, ouais, ils sont vraiment mais alors, magnifiques. Que ce soit la qualité, que ce soit la qualité des fils, ou même là, hein, mettre les aiguilles. Ma marraine en faisait... Bon, ma marraine n'est plus là depuis très longtemps parce que c'était une personne d'un certain âge, malheureusement. Personne formidable, mais qui est partie beaucoup trop vite pour moi. Mais elle avait déjà un très grand âge, comme je vous dis. Et du coup, ma marraine, c'était sa grande passion. Le tricot, le point de croix, tout ce qui est canevas, quoi. Elle adorait ça, elle en faisait mais une multitude. Et je l'ai toujours vu faire, j'ai toujours rêvé d'apprendre, mais j'étais trop petite. Mais je me rappelle que quand elle les achetait, il n'y avait pas les aiguilles de fourni, il n'y avait pas les fils. Elle achetait son cadre, enfin sa toile, déjà imprimée, voilà. Et elle achetait les fils séparément. Mais le prix que ça coûtait... Oh, aïe, aïe, aïe. Et partout où je regardais, hein, on en voit des fois. Dans des boutiques ou sur des marchés, dans... Voilà. Même sur Internet, on en trouve. Mais quand je voyais les prix, je disais, bah non... Si c'est pour que j'y arrive pas ou que je mette 6 plombes à y arriver, voilà quoi, ça fait des sous.
Là, franchement, je vous dis, non, ça vaut vraiment le coup. Les couleurs sont très jolies. Et honnêtement, je sens que je vais m'éclater quand je vais commencer à m'y mettre. Depuis le temps que je rêvais d'en faire, et ben c'est chose faite. C'est juste génial. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans l'après-midi, je vous ferai un tuto. Alors je vous dis pas quoi, c'est la surprise, mais je sais que ça va vous plaire. C'est... Le thème sera Noël, mais vous pouvez le décliner à toutes les sauces, à toutes les occasions. Voilà, je vous en dirai pas plus, vous verrez ça tout à l'heure. Et bien sur ce, je vous souhaite un excellent début d'après-midi. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous! Allez, ciao, ciao, je vous aime.